Le verset dit « Voleur le fanecha tzidketra ». Les bonnes actions que tu fais iront devant toi. Un des grands principes qui amèneront Chouva Israël jusqu'à l'arrivée de Mashiach, c'est le chesed, la charité. Car le monde repose sur la charité. Et il a une force extraordinaire, la charité. La charité, la tzedaka, donc la tchouva et la prière détournent le mal qu'il y a dans les décisions qui pourraient être mauvaises. Ça s'appelle des xérot. Chas v'sham, si quelqu'un exéra sur lui, la tzedaka qu'il va donner va dévier le mal qu'il y a dans la xéra. Le peuple d'Israël est au-dessus du mazal. C'est une machloka entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chia. Est-ce que le peuple d'Israël est soumis au mazal ou pas? Rabbi Chia dit que le peuple d'Israël est soumis au mazal. Rabbi Yochanan dit que non. Il n'y a pas de mazal. Le peuple d'Israël est au-dessus du mazal. Et plus une personne est attachée à Kadosh Baruch Hu, il a le bitachon, l'émouna à Kadosh Baruch Hu, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, que la situation financière, mondiale, commerce, bonne ou mauvaise, si la personne elle a l'émouna, il fait beaucoup de tzedaka, c'est pas, les choses se passeront avec lui, pas comme se passe avec tout le monde. Il est au-dessus du mazal. Le grand principe de Shuva Israël qui sera pour l'éternité, que c'est la tzedaka, c'est très très important. Le chesed, c'est très très important. Et grâce à ce mérite-là, nous serons écrits pour une nouvelle année dans la joie, dans la santé, dans la bracha. Et Akash Bokhi va donner une bracha. Comme c'est marqué, Barikoti Lachem Bracha, Bida, il va donner une bracha. Jusqu'à ce que vous disiez stop. Bezrat Hashem.